Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont désormais en vigilance orange cyclone. Il a plu, oui. C'est la plage de Oyonbe. Il y avait des restaurants. Tout est détruit, hein? Tout est détruit. Il y avait des locaux techniques en béton. C'est parti. Et il n'y a plus rien, toi. Ça a commencé tout le matin. À 5 heures, c'est là où ça a commencé à vraiment souffler. Il y avait de l'eau qui rentrait. Les tôles qui commençaient à se lever. À la maison, j'étais avec mes deux sœurs. Ma mère et moi, avec les enfants aussi. Bien évident. Je m'attendais qu'on ait eu des dégâts, mais les postes explosés, les transports à terre, non, je m'attendais pas à ça. C'est quelque chose qu'on n'envisage pas, qu'on ne pensait pas forcément possible. La panique, la peur, se dire que derrière, il faut vraiment repartir de zéro, tout reconstruire. Et je pense que pour les gens sur place, ça doit être, enfin, c'est vraiment catastrophique. Est-ce qu'il faut ça pour réagir, se renouveler mais voilà, enfin, c'est important. Enfin, je trouve que cette image, elle est très forte, en tout cas. Pour prendre conscience qu'il faut, il faut changer les choses. On a vraiment besoin de se transformer, on a vraiment besoin d'accélérer. Créer des choses, d'expérimenter. Voilà, donc je suis ingénieure à l'origine. Mais très vite, de la technique, je suis plutôt passée vers le marketing pour essayer de proposer des solutions, être dans des phases de test et puis après être dans du développement. On vous demande de réagir sur les termes qui sont employés, en fait. Est-ce que ça vous choque, ça vous choque pas? Est-ce qu'il y a des informations que vous souhaiteriez avoir en plus? Ou alors, finalement, c'est trop d'informations dans ces différents écrans. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, voilà. Le but aujourd'hui de l'atelier, de cette matinée d'innovation, c'est de faire émerger, en fait, de nouveaux services à destination des seniors. Finalement, l'activité du chauffe-eau a changé cette semaine. C'est un service qui se présente sous la forme d'une application mobile
L'objectif, c'est vraiment de détecter dans la durée les changements d'habitude du senior qui peuvent être en fait significatifs de fragilité via l'analyse des consommations électriques de son logement. On a les mêmes informations ici, hein, mais sans commencer à interpréter le fait que bah, peut-être il n'a pas fait sa toilette. C'est choquant pour vous ? Que n'importe qui se revendiquant d'EDF aura la confiance du senior. Il y a une énorme confiance, vraiment une très très grande confiance vis-à-vis d'EDF sur sa capacité donc à proposer quelque chose qui soit dans les valeurs avec la bonne éthique, qui soit fiable. Donc finalement, interroger nos clients, bah, il ne faut vraiment pas qu'on hésite à le faire parce qu'ils ont envie qu'EDF se positionne sur ces sujets-là. Ouais, c'était un bonheur. C'était bien, ça vous a plu ? Ah oui, oui. Bon. Et moi, j'ai envie de continuer à Toulouse ou à Bordeaux. On sent bien que tout l'environnement change. Voilà, il faut penser aussi à revoir nos modes de fonctionnement. On aime cette entreprise-là. Elle a plein d'atouts. On a envie qu'elle bouge, quoi, qu'elle bouge avec son temps. Bonsoir Anderson. Bonsoir Pierre. Plus de temps à perdre pour Créteil. Maintenant, il reste 5 matchs, 15 points à prendre. C'est maintenant ou jamais pour les Cristoliens. Tu sais que j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait des écoles d'ingénieurs. Voilà, j'étais sportif de haut niveau. Je suis rentré dans l'entreprise il y a 13 ans de cela, à Toulouse, sur un centre d'appel. Je suis tombé sur une offre qui vous permettait de passer de l'exécution à cadre en 4 ans, c'est-à-dire reprendre les études. Voilà. Et donc j'ai postulé, donc j'ai réussi le concours, et donc j'ai intégré après la direction de la communication d'EDF, 8 ans, et puis après, donc, je suis arrivé ici en avril dernier à la direction internationale. Mais tu peux ouvrir le téléphone ? Ça y est, j'ai ouvert. C'est pas encore connecté. Je travaille actuellement sur le projet Zola, qui est un projet de kit solaire donc pour des populations rurales. Le positionnement même de Zola, c'est quoi ? C'est, on est sur l'off-grid, on est sur le réseau, on vend des solutions, des kits solaires, tout ça, c'est la stratégie. On ne nous attend pas là-dedans. On ne nous attend pas sur des fournitures de kits solaires pour des populations en zone rurale. On nous attend, c'est vrai, dans des développements de grosses centrales, à monter au poteau, à tirer des câbles électriques, etc. Mais non, c'est pour que ça, EDF. Et c'est là où le regard déjà change sur EDF. Pour une fois qu'on va pas avoir froid, enfin j'espère. Quand on se déplace en Côte d'Ivoire, c'est un petit peu, on va dire, la finalité de tout ce qu'on va préparer ici. Lorsqu'on monte dans l'avion, qu'on embarque, qu'on vole, qu'on atterrit en Abidjan, on sait que ça va pas jouer 90 minutes, c'est pas un match, mais ça va jouer 4 jours, et 4 jours, on a des tas de choses à faire, des tas de choses dans la tête, on a envie que ça, de réussir, mais chaque voyage n'est pas le même. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est mon pays d'origine, le pays de mes parents, et ça c'est quelque chose de fort parce que voilà, c'est une fierté de... Je le dis, hein, de travailler pour un projet comme cela qui touche de près ou de loin les Ivoiriens. Thomas Pinchard, je travaille au CIH, donc Centre d'ingénierie hydraulique. Je travaille sur un projet qui est à Dubaï, où il faut concevoir puis construire une station de transfert d'énergie par pompage. La STEP, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet de consommer de l'énergie pour la stocker au moment où on en produirait beaucoup, par exemple, et la restituer au moment de la pointe. C'est une énorme batterie et on imagine que dans les réseaux futurs, ça aura de plus en plus d'influence et d'importance pour réguler. L'électricité, c'est une énergie qui me plaît particulièrement parce que c'est une énergie qui est relativement propre, qui consomme peu de ressources et c'est aussi une énergie d'avenir flexible.
On a l'avantage d'être un certain nombre à partager les mêmes passions, ce qui nous permet aussi de pouvoir nouer des liens avec d'autres collègues et puis d'aller profiter de la montagne ensemble. C'est plus vraiment une entreprise, c'est une sorte de petite famille. La grosse spécificité du projet, c'est que normalement, un projet comme ça, il faut à peu près 3 ans, 4 ans pour le développer jusqu'à lancer un appel d'offres. Et là, on a un an et demi. Forcément, ça rajoute du piment. Il faut être bien organisé et il ne faut pas perdre de temps, surtout. Si on ne veut pas être en retard, il faut que globalement, on puisse présenter quelque chose à peu près 3 mois avant. Ouais, bah donc ça fait mars, ça fait mars, avril, mai. Ouais, bah ouais. Donc jusqu'au 20 mars, on est bon. Quoi. C'est tendu, mais c'est bon. Donc Marc est responsable contrat. On peut mettre deux options, pas un truc. Pauline est en charge de toute la partie terrain, reconnaissance de terrain. Et après, une option, il l'enlève complètement. Et puis... Moi, j'ai en charge une partie de la conception des ouvrages. Et par contre, après, il faut que j'arrive à faire discuter le contrôle commandier avec le génie civiliste, avec l'électrotechnicien. Donc c'est quoi? C'est que t'as ton réseau qui va quoi, qui passe soit là dans le mur ou soit qui traverse dans l'étage d'en dessous et qui vient se mettre ici. Non, quoi. Tu peux pas traverser. Tu vois. Là-dessus, on fait tout en interne. La conception, c'est 100% nous. Il n'y a pas de bureau d'études externe qui le fait. Quoi. Et on est obligé parce que avec le timing qu'on a, c'est fini. Après, il y a peu de bureaux d'études qui ont l'expérience d'avoir la conception, la construction et l'exploitation. Et nous, EDF, on a le retour de ce qu'on a construit, est-ce que ça a marché ou pas marché, quoi. Aujourd'hui, on va visiter Grand Maison, qui est une steppe dans les Alpes, la plus grosse steppe de France. Et on va présenter un peu nous le design du projet et qui nous donne leur avis en termes d'exploitation derrière et de maintenance future. Voir si notre conception elle est robuste ou pas. En bleu, c'est le programme et en vert, le réalisé. Je ne connais pas le réseau électrique et les contraintes de Dubaï, mais c'est vrai qu'à Grand Maison, tu turbines ou tu pompes, mais tu restes pas très longtemps à l'arrêt. Vous en avez acheté un pour pouvoir faire le roulement sans être à l'arrêt pendant longtemps. Et... Là, ça me fait penser qu'il ne faut pas mettre de carrelage. Ça glisse, ça pète, ça coûte cher. Toi, tu veux un béton brut et on parle plus. Béton brut. Et du coup, Kevin, toi, t'es... Je suis dessinateur projeteur. D'accord. Ouais, parce qu'on n'a pas présenté notre truc. Là, on t'a montré deux coupes, mais maintenant... J'espère bien que vous allez m'envoyer le reste par un mail ou poste restante. Dans l'hydroélectricité, il n'y a jamais deux projets qui se ressemblent. On n'a jamais les mêmes contraintes topographiques ni géologiques, donc à chaque fois, on repart de zéro. C'est ça qui prend un peu de temps au début, c'est de trouver la bonne solution. Arrivé ici au début de l'été et le premier été, notre gamine avait un an, elle passait tous les soirs sur la plage et c'est vrai que c'est assez magique. Il y a tout le temps du monde dans l'eau. C'est le spot de surf du Cotentin. Hein. Par contre, il faut une bonne combi. Moi, depuis le début, je suis dans l'ingénierie nucléaire. Donc j'ai commencé en 2000. Et puis, une envie de bouger. Et du coup, j'ai fait 3 ans sur Taishan. Là, on est sur la plage de Souville. Juste là, du coup, on peut voir en fait le site de Flamanville. On voit au loin là les trois cheminées et le bâtiment réacteur avec le petit reflet. Donc si on le fait vraiment très simplement... Hein. Hop, vous avez ici Flamanville 1, Flamanville 2, Flamanville 3. Donc là, on se retrouve avec un panorama, la plage, la mer et l'EPR.
moi je suis dans le domaine des essais. Si à un moment donné, il y a un premier essai marquant sur un équipement, si j'en ai l'occasion, j'essaie d'être sur place pour voir un peu comment les choses se passent. T'avais plus personne sur le calot? Parce qu'en fait, j'y suis passé il y a pas longtemps. Je crois que c'était hier, il me semble que je suis passé hier. Le PR, ça a toujours été dit comme étant évolutionnaire et pas révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une évolution, une amélioration des centrales existantes. On va un cran au-dessus en termes de sûreté, qui est quand même un des objectifs majeurs. On va un cran au-dessus en termes d'objectifs de disponibilité, qui est l'objectif financier rentabilité. Mais on est sur une centrale qui ressemble quand même beaucoup aux autres. Ok, parfait. Non, en fait, sur tous les équipements dits de sûreté, donc en fait qui ont un rôle en cas d'accident, on fait des tests très poussés, qui sont les premiers essais, donc les essais de démarrage. Et après, on a ce qu'on appelle des essais périodiques, c'est-à-dire que régulièrement, on va vérifier que le moteur fonctionne, que la pompe tourne. Zara, on peut se faire un petit point? Oui. En gros, vous en avez tout de la préparation, qu'est-ce que vous avez vérifié? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Là, on a fait un check complet de la pompe pour voir s'il n'y avait pas de fuite ou d'anormalité. On attend le top go des essayeurs EDF pour qu'on puisse faire démarrer la pompe. Moi, j'ai fait ingénieur procédé industriel. Un an sur le chantier, ça doit équivaloir à 4 ou 5 ans dans un bureau d'études. Donc, en termes de compétences techniques, on apprend énormément. On voit aussi ce sur quoi on a travaillé pendant quelques années au Basic Design. Bon, bah là, on va démarrer. Si gros que personne ne peut le voir. Mon papa me regarde, il fait oui de la tête. Et alors? Alors il se pourrait que j'existe seulement dans le rêve du géant. Sur mon temps libre, je fais du théâtre. J'ai suivi une école d'art dramatique. Il est si gros que personne ne voit qu'il est là. Personne ne sait que le géant est là. En fait, quand on est sur un plateau de théâtre, on sait le public nous écoute ou ne nous écoute pas. Et il y a une conséquence dans le boulot, c'est que moi, quand j'ai un interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs, je sais s'ils m'écoutent ou s'ils ne m'écoutent pas. Et ça, c'est hyper important. Hein. Un projet photovoltaïque ou éolien, c'est une succession de versions différentes, en fait. On prend en compte les riverains, on prend en compte leurs activités, histoire de ne pas arriver en rouleau compresseur. Non, enfin, c'est pas la méthode, quoi. Il y a la phase d'abord prospection, qui nous permet d'identifier si le site est a priori compatible d'un point de vue technique. On passe par là? Une fois qu'on a cette idée, on y lance tout un tas d'experts indépendants. Des botanistes, des ornithologues, des chiroptérologues, des acousticiens, des hydrauliciens, des paysagistes qui vont étudier chacun leur domaine, les sensibilités du site, vraiment. Il y a une mare qu'on a recréée, on appelle ça le gabot des grenouilles. Ah oui? Voilà. Du coup, là. En fait, il faut laisser 10 mètres autour, okay. De manière à ce qu'elle reste dans l'ombre, comme c'est une mousse protégée. Du coup, voilà, il y a 10 mètres de protection autour. On déplace les éoliennes sans arrêt. Donc, d'un projet technique, d'une implantation optimale, on va dire. Après, on y applique les oiseaux, les chauves-souris, les hommes, évidemment, les usages des hommes. Et on voit comment, quel est le projet final qui peut être obtenu. Fallait que je sois là. Je pouvais difficilement rester en métropole entre guillemets tranquillement, en sachant que
il y avait eu un cataclysme qui avait déboulé sur les îles et qui avait tout saccagé. Avec des vents, alors on dit 300, 350, 400 km/h, c'est quelque chose d'inimaginable. Des crises climatiques, on en voit malheureusement de plus en plus fréquemment et avec des, à la fois des occurrences et des forces de plus en plus importantes. Donc la gestion de crise maintenant fait complètement partie de notre métier. On a en fait eu la chance de pouvoir profiter d'une partie du groupe EDF qui s'appelle la FARN, la Force d'Action Rapide Nucléaire, dont justement la finalité est, en situation de crise, de pouvoir installer de manière rapide, immédiate, une base de vie. On devait être environ une centaine là ici installés sur la centrale. La période zéro, c'est la crise humanitaire. On est dans un espèce d'état d'urgence qui est que chaque client doit être réalimenté le plus rapidement possible. C'est sur le poste Scott ou Isnaz-Dagma, c'est un de ces deux-là. Je me confirme, tout le monde a du courant. C'est de la mise en sécurité, ça. Non, non. Là, le branchement n'existe plus. Il faut une nacelle pour ça. Il est sans courant, lui. Il est sans courant. Bonjour. L'eau est montée. C'est tout ça, là. Le réseau qui est par terre, il n'est plus utilisable. Les poteaux... On ne va pas pouvoir utiliser ce qui était là. Donc du coup, on sait que c'est un travail de titan à tout reconstruire le réseau pièce par pièce à la main. Quand tu vois des catastrophes comme ça, on est humain. Même si on n'est pas technicien sur le terrain, on a envie d'aller donner un coup de main, forcément. Que ça se passe à Saint-Martin, que ça se passe ailleurs. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, c'est vrai que je me suis dit, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se met toujours à la place des gens, on essaie de... dire comment on allait réagir et comment on peut ici en donner un coup de main. Passez devant. Ok. Bon, en tout cas, on arrive. Bon. Commencez la réunion. Aujourd'hui, on est dans une phase de croissance de l'activité, à savoir qu'on a 13 000 clients. L'enjeu de cette année 2018, c'est de pouvoir atteindre 35 000 clients. La mission de mon poste, elle est simple. Il faut s'installer dans le paysage énergétique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très développée. Si on arrive à asseoir notre business, notre modèle ici en Côte d'Ivoire, après on va pouvoir conquérir effectivement tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest qui sont prévus. Bonjour. Ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Vous êtes arrivé? Hey. Arrivé. Ça va? Hey. Ah. Hey. Ça va? Oui, ça va bien. Ça compte, ça va? Non, ça compte nos millions. Allez, on vous laisse travailler. À plus tard. On va rentrer dans le call center. Le call center, c'est très important, comme en France, hein. C'est le rapport avec le client. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est déjà la première perception que l'on a de notre entreprise par le biais de nos conseillers. Je me nomme Rose du service client de Zola. Je suis en train de parler à monsieur Aboulas. Donc là, elle fait quoi? Elle fait des welcome calls, là, c'est ça? Eh oui. Donc, je sais un peu comment ça se passe. Quand tu arrives sur un appel qui est, comme on disait dans le jargon, qui n'est pas bien qualifié, à savoir tu vas rappeler une personne alors qu'elle avait bien dit de ne pas la rappeler, par exemple, entre 18h et 20h, tu perds du temps. Tu vois ce que je veux dire? Qualifier l'appel, c'est hyper important. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je vous souhaite une agréable journée. Comme c'est la plus étonnante. Vous savez, mademoiselle, pour vous donner un petit conseil, le sourire s'entend au téléphone. Hein, vous avez vu comme vous êtes charmante quand vous souriez? Le sourire s'entend au téléphone. Hein, n'hésitez pas. Courage. C'est mon projet qui est captivant. Hein. Il y a 4 ans, quand j'arrive ici, il n'y avait pas tout ça.
Tout ce que je savais de l'EPR, c'est tout ce que je connaissais dans les journaux et avoir vu comme reportage à la télévision. Le projet en lui-même, ses difficultés, ses réussites. J'étais un simple spectateur. Aujourd'hui, il faut rester concentré en permanence. C'est ça la difficulté. Mon travail, en fait, c'est assurer le contrôle de l'installation pour une exploitation beaucoup plus sûre. Salut, Julien. Toujours. Donc, je m'assure que le titulaire, c'est qu'il a monté, on pourra exploiter. Oui, ça a été hier, on n'a pas fait le point. Il faut qu'on fasse le point. Et les équipes avec qui je travaille savent qu'ils peuvent compter sur moi pour faire avancer le chantier. Il faut que chacun puisse compter sur son collègue, sur son directeur, sur son manager, pour lui permettre d'avancer. Sauf que là, ils sont en train de faire des saignées dans le temps, donc vous pouvez pas y aller. Et j'attends des nouvelles de Vincent. Mais vous recollez comme le ski pour les tuyauteries. Ouais, mais du coup, j'ai pas de plan de la machine elle-même. Donc j'attends. C'est pas nouveau, mais c'est pas facile à appliquer. Parce qu'on rentre dans l'humain. Mais toi, tu regardes, tu fais uniquement ce qui est dans ta vie. Il faut à chaque fois lui rappeler effectivement qu'il est en train de monter une centrale qui va durer 60 ans et que ce qui pour lui peut paraître banal peut être l'une de nos plus grandes craintes dans les 10, 20, 30 années à venir. Le plus dur, c'est d'amener chacun à faire de ce projet son projet. C'est l'humain, c'est l'humain, c'est l'humain, c'est l'humain. Mais l'humain avec de la rigueur. Si je viens tous les jours à 7h et que je pars tous les jours à 19h, c'est parce que c'est passionnant. C'est parce que je vois le chantier changer. C'est parce que je vois aussi les autres s'intéresser au chantier. C'est parce que je vois la finalité. Ça doit vivre un chantier. Un chantier qui vit, c'est un chantier qui est passionnant. Avec les gens et on se mélange peu en fait entre les différents milieux et les différentes classes sociales et je pense que c'est pas bon. Moi je cherchais à m'engager dans une association caritative et là il se trouve que moi j'habite juste en face du bistro des amis. On se sert des repas à des personnes qui souffrent un peu d'isolement, qui peuvent être dans la précarité sociale ou économique. Du coup là c'est vraiment un lieu qui me permet de rencontrer plein de gens qui font plein de choses différentes. Donc Réseau de chauffage urbain de Lyon, c'est une délégation de services publics qui a été confiée à Dalkia. Ça alimente 45 000 équivalents logements, donc c'est l'équivalent de 500 000 personnes. Quand un client souhaite se raccorder au réseau de chauffage urbain, je fais la partie études techniques, je regarde si c'est faisable de les raccorder au réseau de chauffage urbain, combien ça coûte, etc. Faites attention. D'accord. De quand elle date cette chaufferie ? Des années 90. En fait, je travaille en binôme avec les commerciaux. Et ensuite, on va voir les clients ensemble. On peut tranquillement faire nos travaux et on bascule sur le chauffage urbain. C'est du plug and play. Hein. Très bien. Donc le collecteur chaud ici, ça c'est facile de se raccorder. Et puis sur le retour, on se raccorderait quelque part sur le collecteur froid. La plupart des clients pour lesquels on fait une étude, je pense que 90% se raccordent. On trouve toujours une solution technique et financière qui fait que le client se raccorde. Bonjour. Salut Luc. Ici on est au desk, au centre de pilotage qui permet d'avoir des infos en temps réel sur l'ensemble de nos clients et notamment des sous-stations qui sont raccordées au réseau de chauffage urbain. Clairement ce projet, si j'ai souhaité y travailler, c'est pour sa dimension énergie renouvelable, quoi. Grâce à l'usine d'incinération de Gerland et à la chaufferie bois de Surville, le réseau il va atteindre 65% d'énergie renouvelable et de récupération, ce qui va en faire le premier réseau vert de France. Alors, j'aime beaucoup la partie technique de mon métier, mais ce sont des métiers où il y a très peu de femmes. C'est dommage parce que c'est des métiers qui sont vraiment très intéressants. Je pense qu'au sein d'une entreprise, ce qui est important, c'est que l'entreprise elle représente la société pour laquelle elle apporte un service. C'est important pour moi que les valeurs de mon métier correspondent à mes valeurs.
dans le territoire sud-ouest, en fait, on a un milieu agricole assez important avec des coopératives agricoles qui fédèrent des réseaux d'agriculteurs et qu'on accompagne la décentralisation de l'énergie et on souhaite aussi favoriser le développement des énergies renouvelables. Comment je peux avoir de l'énergie non carbonée, des énergies renouvelables? Comment je peux moi-même produire mon énergie? La logique, elle est, ben, j'ai du foncier. Oui. Par exemple, quand on regarde ces toits-là, Sandra, mais je vois dans tes yeux, tu dois te dire, ah, mais là, j'imagine du panneau photovoltaïque. Voilà, il y a du potentiel. Avec un frein majeur, c'est l'investissement et le budget. Comment je pourrais faire pour localement mutualiser ma production? EDF pourrait mettre en place une plateforme de vente d'énergie verte et locale, une plateforme qui permettrait d'un côté effectivement d'identifier des producteurs locaux d'énergie verte, d'un autre côté des consommateurs locaux, qu'ils soient particuliers ou entreprises, et EDF permettrait d'assurer à tout moment bien sûr l'équilibre entre les besoins de consommation d'un côté et les besoins de production de l'autre. Il faut qu'on cherche toutes les solutions possibles, imaginables. Je pense que c'est des choses qui sont amenées à se développer. On compte sur vous. De la coopérative agricole, la silver economy. Ben oui, mais enfin, sur chacun de ces sujets-là, on a plein de choses à faire. On a des compétences, on a une petite pièce du puzzle qui va faire qu'on va délivrer après quelque chose d'intéressant. Je pense que l'entreprise, elle crée des lieux, des occasions pour faire en sorte que les salariés se rencontrent. Et ça, enfin, en tout cas, c'est hyper précieux, quoi. Voilà, l'idée, c'est de commencer à toucher du doigt à ce que pourrait être cette application. Donc là, en fait, là, tu as prévu comme boulot, c'est de mettre tous les éléments d'interface qui vont bien. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu peux pas mettre, tu sais, quand tu as des petites notifications sur une appli, tu sais, tu as des numéros, enfin, je sais pas, sur WhatsApp, etc., qui t'indiquent une notif non lue. Non, mais après, tu as le fil des alertes. Je trouve ça vraiment top. Je trouve que c'est l'aboutissement de la création collective et pour proposer des choses qui ont vraiment de la valeur pour ceux qui vont les utiliser. Oh, impeccable. Super. Ce qui se passe aux Émirats arabes, ils vont complètement changer leur modèle de production d'électricité à long terme. À partir du moment où on veut transformer fondamentalement n'importe quel système, si on veut changer de type d'énergie, oui, forcément, il faut un moment au niveau politique que ce soit décidé. Le projet là, de STEP, il vient un peu de ça. Il vient de dire on a beaucoup de solaire la journée, on en aura de plus en plus au fur et à mesure des années. Les STEP, c'est un début de moyen de réponse pour stocker, déplacer un peu de cette énergie qui est produite en journée, à la déplacer la nuit. C'est une batterie géante. Quand la centrale a démarré la construction ici, c'était la plus grande centrale solaire du monde. Ouais, donc là, tu vois, tu commences à avoir la notion de l'espace. T'es plus grand que moi, donc peut-être que tu vois mieux. Ouais, c'est à perte de vue, c'est des panneaux solaires. Il y en a combien au total? Vous avez fait le calcul au moins, je suppose. À peu près 3 millions, à peu près. C'est quoi la puissance du parc là installé? 1070 MW crête. On est quasiment sur l'équivalent d'un réacteur nucléaire. On s'est posé en hélico. Là? Ouais, c'est... parce que c'est plat à peu près. Ouais. On est descendu là-dedans. Là. Là-dedans? Ouais. Oh là. Donc tu vois, c'était... Oh. Là, la campagne de reconnaissance géotechnique qu'on fait en ce moment, elle nous sert surtout à savoir à quel niveau il faut fonder les ouvrages. Station de transfert d'énergie par pompage, on en a fait pas mal. C'est aussi un peu la spécialité du CIH, donc c'est pas exceptionnel à ce titre-là. Après, c'est dans un pays semi-aride.
Et puis après, il y a des spécificités techniques du projet qui font que c'est un projet un peu atypique. Ce qui est assez grisant, c'est de se dire que ce qu'on va construire, un barrage, on revient 100 ans, 200 ans après, c'est encore là. Si je reviens 40 ans en arrière, je crois que je choisis génie civil. Parce que quand même, tu fais un beau métier. Regarde ça comme c'est beau. Lui. Saint-Martin a énormément évolué ces derniers mois. Et la vie reprend, certaines maisons sont reconstruites. On peut voir que les activités commerciales ont repris à certains endroits. Là où on imaginait que le rétablissement des clients allait prendre 3 mois, 4 mois, on a pu réalimenter l'ensemble des clients en 5-6 semaines. Maintenant, notre objectif prioritaire, c'est d'arriver à faire une reconstruction en souterrain. Pour avoir un réseau qui est beaucoup plus robuste aux aléas, qui sont de plus en plus fréquents et importants. Juste la haie, il y avait de la haie. Et là, il le passe en souterrain pour reprendre. Dans combien de temps vous allez finir ce chantier? En 2 semaines, on est bon. En 2 semaines? L'objectif est de faire un maximum de chantiers avant la prochaine période cyclonique, c'est-à-dire avant l'été. Il y a une course contre la montre, on peut le dire comme ça. Donc, déjà, monsieur Alphonse. Donc là, c'est un Zola Plus, hein, c'est ça? Oui. La base, c'est simple. Hein. Ouais. Vous avez le compteur. D'accord. Et puis le panneau. Et t'as deux, donc ouais, après, en fonction du type de système, vous aurez plus d'ampoules, une télé, plus ou moins grande, et puis c'est tout. On fait la différence dans le service clientèle, dans la garantie que l'on apporte, dans les services télé, etc. Il y a beaucoup de concurrents, mais souvent, il manque quelque chose. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas le... Voilà, les batteries sont pas en lithium, le prix était un peu plus, enfin moins abordable. Nous, l'innovation qu'on a mis en place, c'est-à-dire payer mensuellement pendant 3 ans jusqu'à que le compteur vous appartient, bah, pour l'instant, les autres ne le font pas. Monsieur Alphonse, vous voyez quand même comment est-ce que votre radio marche, hein? On capte quoi là? Tu cherches une station, hein? Oui. Bon, peut-être que ça capte mal ici. Tu n'as pas monté sur le toit quand même? Ouais, j'ai tombé là. Donne-la en train de placer le compteur, ce serait bien que tu jettes un coup d'œil. Ouais. Ben voilà, la radio. C'est très bon son, hein. Arrive à ta tour à la défense, que tu es en train de te plaindre pour un oui, pour un non, ou que tes enfants... Enfin, moi, personnellement, mes enfants laissent les lumières partout, etc. Et quand tu vois que pour avoir accès à l'énergie, bah, c'est pas donné à tout le monde, bah, écoute, tu relativises et tu prends encore plus au sérieux ton boulot, quoi. Parce que ce boulot-là, ce qu'il faut retenir, c'est que on va au-delà, entre guillemets, du business. On a une part de social. Ah ben voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. J'ai un rapport assez
sensible par rapport à la transition énergétique. Mon grand-père, Marcel Audigier, il travaillait dans une usine qui produisait du gaz à partir de la combustion du charbon dans les années 50. Et du coup, aujourd'hui, voilà, son petit-fils, il fait de l'électricité avec le vent et le soleil. Je veux dire, là, moi ça me parle, quoi. La volonté de faire du photovoltaïque plus que ce qu'on faisait avant génère l'obligation de trouver des surfaces supplémentaires pour en mettre. Quand on a cherché dans le foncier utilisé par le groupe EDF, les retenues se sont avérées comme des immenses surfaces planes, ce qui est hyper intéressant pour poser des panneaux solaires. Donc là, c'est une des premières prospections qu'on fait ici en Ardèche, à la Palisse, pour installer ces panneaux solaires sur la retenue. Impressionnant. Oui. Sur un hectare de panneaux, par exemple, ça représente à peu près quelle puissance? Un hectare de panneaux, c'est un mégawatt de puissance installée. Donc ça, c'est assez facile. Après, on ne va pas équiper l'intégralité de la surface. Non. Justement, il va falloir évacuer tout ce qui est usage existant. Si on prend en compte un peu de marnage qui réduit la superficie de la retenue, je pense qu'on peut se projeter sur 15 hectares, donc 15 mégawatts. C'est pas mal. 15 hectares, c'est un beau projet, ouais, carrément. C'est une super opportunité. Et surtout que ici, sur ce territoire, enfin sur un petit territoire, hein, on a le parc éolien de la montagne ardéchoise qui est à vol d'oiseau à 10 km. On a de la production hydroélectrique ici. Si en plus on pouvait rajouter de la production solaire, ben là on aurait le mix énergétique renouvelable idéal. Quoi. Un projet qu'on mène du départ jusqu'à son aboutissement, à sa construction, c'est un peu son bébé, quoi. Et une fois qu'il sort de terre et qu'on voit s'ériger, pour le coup, là, des éoliennes dans le ciel, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est pas intime, mais on se rapproche d'un truc qui nous appartient, ouais. Quand même une ossature importante du groupe. Il apporte une place dans le paysage énergétique parce qu'on est un gros producteur. Après, il apporte aussi une culture technique, des défis technologiques, et je pense que ça lui apporte aussi une visibilité internationale. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, opération propreté HRA. Pourquoi est-ce qu'on fait la propreté au sein du HRA? C'est tout simplement pour faire la prévention contre le risque incendie pendant l'épreuve enceinte, principal risque de l'épreuve enceinte. Nous, ce qu'on voit tous les jours, c'est une quantité de difficultés et des gens qui sont réactifs pour les traiter une à une. On est sur une population en fait très engagée, très concernée, qui veut, un, bien faire son propre job, sa propre activité, et deux, faire avancer les choses. Je pense qu'il y a un peu aussi d'amour propre et un peu aussi de volonté de démontrer qu'on peut le mener à bien, on peut le mener à son terme. Est-ce qu'un projet comme ça change le groupe? Forcément, ça participe à le moderniser, mais dans la continuité de ce qu'il a toujours voulu être, un groupe basé sur une industrie qui continue à créer et à proposer pour l'avenir, quoi. Moi, je crois beaucoup au concept du mix énergétique. On a besoin de stabilité sur l'énergie, on a besoin de volume et on a besoin de sécurité, de sûreté. Les énergies renouvelables, et bien sûr, c'est une bonne chose. Après, ça reste intermittent, donc ça ne peut pas être la seule réponse. Tout ce qui produit massivement du CO2, aujourd'hui, on en est quand même très largement revenu. Donc le nucléaire, forcément, il a sa place là-dedans. On va essayer de s'amuser un peu maintenant.
C'est le carnaval, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Les gens, ils fêtent un peu. Au moins, on pense à autre chose. On essaye de tourner la page. Ça fait du bien. On avance. Aujourd'hui, on est dans un moment charnière. Au-delà de produire autrement, il faut aussi consommer autrement et mieux. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur les problèmes environnementaux. On réinvente la responsabilité de chacun dans l'impact sur la planète. On a les moyens de le faire, il faut rester concentré. On a plein d'atouts à faire valoir, c'est plein de nouveaux challenges qui sont devant nous. Une production renouvelable bas carbone, ça motive le matin, quoi. De toutes les façons, s'interroger par principe, il faut toujours s'autoriser. On va y arriver. C'est pas évident, mais c'est nos enfants demain qui vont en bénéficier, quoi.